Ah non mais il est mal, voilà, il va gerber. Il va gerber le rey. Ouais. Hmm. Ah mais il faut qu'il le sorte ce bail là. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, on se retrouve encore une fois. Ouais, ça fait plaisir. Les gars, aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Red Bull Banks, leur chaîne YouTube, où Leto et Guy de Vesbar vont freestyler dans des conditions un peu surréalistes. Parce que de ce que j'ai compris, Leto et Guy de Vesbar se sont lancés un défi, c'est de s'affronter, voilà. Via des défis assez spécifiques où ils vont devoir rapper dans plusieurs conditions. Et là, la première condition, c'est de rapper dans un hélicoptère qui devrait faire des loopings, des trucs de ouf et tout. Donc voilà, apparemment, il y a eu de bonnes séquences. Surtout que voilà, vous avez été quand même quelques-uns, encore une fois, à m'avoir envoyé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux, les frérots. Et merci. Bah ouais, parce que des fois, je suis comme ça, j'ai bon, je vais réagir à quoi. Ouais, y'a rien qui me donne envie. Et puis bim, y'a un truc qui m'a donné envie. Donc voilà, on est parti, les gars. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude. Et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi, les gars, si vous kiffez Leto et Guy de Vesbar. Ouais, dites-moi en commentaire, comme ça, si vous êtes des fans. Vous en battez les yucks. Ouais, bref, tu me racontes le délire. Et si vous aimez bien ce genre de défi, tout ça. Il y avait notamment Seb Lafrite, le youtubeur aussi, qui rappe, hein, et qui avait lâché un petit freestyle en saut par. Ouais, c'était. Bah oui, il était en. En plein saut de parachute, le Kemé là. Donc les gars, on est parti. Let's go. En direct de l'hélico. Ouf. Eh, ça donne envie le bail, hein. Salut, wow, enfin, je suis un ouf, ça donne envie. Moi perso, je le ferai pas pour des raisons de manque de cojones, tu connais. On est au bootcamp Red Bull Sound Clash et je suis très bien accompagné. À ma droite, Mozart, capitaine Jackson. Comment tu vas, frérot? Ça va, Colombien? Ça va, tranquille? Ouais, on est là. Et à ma gauche, le flingueur. Ouais. Guy. Ouais. Comment tu vas, frérot? Ça va, mon frère. Ça va, tranquille? Eh, hey, ils font des checks de fin de soirée, frère. Moi, quand je check comme ça, c'est. Ouais. Ben, c'est que t'es mort, hein. T'es rabat, hein. On va vous faire rentrer dans l'univers Red Bull, l'univers de l'extrême, de l'énergie. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un texte à faire dans les airs, texte que vous avez amené. Vous allez devoir faire une performance. Les gars, dernière petite info qui me semble moi importante, le pilote de l'hélico, c'est un grand monsieur. Je sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques années, un homme qui a sauté de la stratosphère. Non. Ils ont ramené le pesquier. Putain, je sais pas là, je confonds avec les trucs là de brioche là, mais c'est lui. Ah ouais, carrément, ils font la présentation du truc. On dirait quand t'es dans Need for Speed et tu choisis une voiture au début du jeu. Voilà, c'est la même. Thank you, my brother. What's up, my bro? Nice. Ah non, c'est pas lui. Oh, mais en fait, je suis complètement à l'ouest. Pourquoi j'ai dit Pasquier? Mais... On sent le mec qui a une culture générale incroyable. Oui, c'est Félix Baumgartner. On dirait le nom d'un latéral gauche du Bayer Leverkusen. Let's go. Oh, le premier est toujours le gagnant. A voir. En direct de l'hélico. On monte. Let's go. Je suis monté dans l'hélico. Wesh. En fait, je voulais juste. On dirait pas un Kemé avec sa meuf. Wesh, c'est chelou comment il le tient. Quand ça commence. Il dit là, on n'est pas encore arrivé. C'est à dire, il roule tranquille. Il roule. C'est après qu'il fait les bails. Ouais, mais il roule tranquille. On est en hélico, hein. Il roule tranquille. Non mais on est bien. Alright my friend, are you ready? I'm ready. You have to turn on some music. Okay. Ouf. Ah c'est l'épisode 2 en plus de mode. Oh là 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 là. Oh mais moi mon gars je rappe pas frère, je laisse le temps passer. Eh hey, le pilote il doit rien comprendre frère. Ah non mais il est mal, voilà il va gerber. Il va gerber le rey. Bah arrêtez tout. Il a craqué. Ah il a pas trop réussi Leto là. Ah
Alors, il a... il a dit continue de rapper, il a dit c'est bien. Ah mon gars. Oh putain, Leto. Alors, en tout cas, en vrai, le pilote, pff, incroyable, hein. Faire des loopings en hélico, frère. Même dans GTA, je tente même pas le bail. T'emmener dans un endroit, il y a que la forêt en dessous de toi. Que la forêt. Dès que t'arrives à la forêt, dis, hey, mon ref, t'es ok? Ok, on dirait Leto, mon gars, c'est un personnage dans un jeu et il t'explique comment va se dérouler ta mission. C'est incroyable. Oh la caca, inédit. Oh, c'est inédit. Oh, c'est fort, c'est fort. Allez, vas-y, vas-y. Wesh. Wesh, mais Guy de Bezba, il ressent rien, frère. Il continue normal là. Wesh, mais mon gars, mais même moi je flippe là. Eh, le son en vrai, en plus il a l'air lourd, hein. Ouais. Ah mais il faut qu'il le sorte ce bail là, hein. C'est un délire un peu posé tout ça. Ouais mon gars, bah waouh. Et juste en regardant, frère, j'ai envie de gerber. Waouh. J'ai mal au crâne. Ah mais il s'est pas arrêté, hein. Et il s'est pas arrêté. Après, ce qui est bien, c'est que vu que Guy de Besbar, c'est un mec qui chuchote à la base, tu sais, il peut continuer de chuchoter, tu vois, en rappant. C'est ça où il a l'avantage. Ah mon gars, l'horizon et tout. Incroyable, hein. Franchement, comme expérience, incroyable. C'est Leto, il est fou. Franchement, cette expérience-là... Voilà. Ça me gêne trop, les gars. Bon, je sais, on est en 2022. Voilà, on accepte tout. Ouais! C'est dit looping! Même quand il a acheté, t'as vu quand il a fait le mec, il a acheté? Ouais! Il se lâche, il est con! Il rit, il reste comme ça! Et il te regarde comme ça! En gros, c'est toi, tu dois piloter, quoi! C'est je vous avais dit, hein, Félix! Ouais, c'est une expérience de malade mental, wesh! Une expérience de fou malade! Bah écoutez, les gars, ça me fait plaisir que vous ayez kiffé! Le Red Bull Sound Clash aura lieu à la salle 104 à Paris le 5 octobre prochain! Voilà. Ah oui. Ah oui, oui, c'est ça, ouais, leur fameux défi, ouais. Cette vidéo. Et moi je me dis à la prochaine. En fait, ils peuvent pas être sérieux, quoi. On va finir en tu vois. Allez, à la prochaine, la bisous. C'est des fous, voilà. Du coup, les frérots, non, franchement, bon petit concept, bon petit délire. Je sais pas s'il va y avoir une suite, hein, sur un autre délire entre Leto et Guy de Besbar sur la chaîne YouTube Red Bull Banks. Mais bon, vous l'avez compris, hein, les gars, c'est pour faire un peu, voilà, l'ambiance, hein, en tout cas, pour annoncer ce qui va se passer avec leur show qui va opposer du coup Leto et Guy de Besbar prochainement, comme ils ont dit en fin de vidéo. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé le délire. Après, j'ai trouvé que Guy de Besbar et voilà, se sentait un peu plus à l'aise que Leto dans cet exercice. Et en plus, là, le son inédit de Guy de Besbar, il donne envie. Donc, j'ai hâte qu'il lâche ce son là, que ce soit en clip ou juste comme ça sur les plateformes, ça ferait plaisir. Donc, voilà, mais franchement, tout ça pour dire que j'ai bien kiffé le délire. Et vivement le Red Bull Sound Clash, donc avec ses deux artistes et ses deux scènes et un show. Voilà, c'est ce qui est annoncé sur le Red Bull Banks. Et en plus, apparemment, c'est Hakim Djemili qui ambiancera le public et qui animera la soirée. Donc, je pense que ça peut être un très très bon délire. À voir si, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vont être chauds pour y aller ou quoi. Et en tout cas, on peut que valider. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ou surkiffé ce genre de bail. Et n'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, vous m'envoyez des messages, quand vous voyez des petits clips, des petits délires qui passent, vous m'envoyez ça et on y réagit bien sûr avec très grand plaisir. Bref, la game impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build.